Sam, est-ce que tu peux me faire un point un peu la situation et quelle est la suite du programme? Ok, bah, on est en train d'arriver dans l'estuaire de Doudinka, la rivière qui va nous mener au bout de 300 km à la prochaine escale. Et donc voilà, on a fini la dernière station ce matin. Du coup, on a également stoppé les instruments après le dernier échantillonnage parce qu'on est en train de rentrer sur le territoire. Donc là, on n'a plus les autorisations. Voilà, maintenant on a plus les autorisations, donc on a stoppé le travail science. Voilà, on est content de tout ce qu'on a effectué il y en a un mois. Et il fait beau en plus. Et quelle température? Il fait super beau, là on a 10 degrés, aussi bien pour la température de l'eau que de l'air. D'accord. Et les conditions sont optimales pour traverser les derniers passages de banquise en fait. Et que prévoient les cartes de glace en ce qui concerne l'embouchure et. Les dernières cartes qu'on a, elles sont plus tellement à jour, mais les dernières informations qu'on avait, c'est que l'entrée pouvait être partiellement bloquée. On n'a pas de nouvelles cartes, mais on voit bien que ça s'est bien disloqué. Et comme les conditions sont bonnes, on a une bonne visée, on peut slalomer entre les blocs sans souci. Donc on ne devrait pas prendre trop de retard. On a rendez-vous avec le pilote d'ici 2 jours, parce qu'on n'a pas le droit de pratiquer la rivière sans pilote. C'est comme pour tous les bateaux pareil. Donc voilà, aux alentours du 22, 23, peut-être le 24, le pilote sera à bord pour effectuer les 200 derniers kilomètres. Ce qui veut dire combien de jours encore? On a prévu d'être le 26 à Doudinka. D'accord. Voilà, donc une semaine. Ok. Merci Sam. C'est-à-dire.